C'est une période où il faut faire un examen de conscience. Il faut bien sûr prier pour les soldats et les otages. Mais il est clair que l'on doit changer de voie. On a suivi une voie pendant des années. Où est-ce que ça nous a mené? La mort de petits enfants, chas v'shalom. C'est terrible de chez terrible. Des femmes qui ont été tuées, des femmes enceintes qui ont été tuées, des jeunes. Déjà, beaucoup de morts. C'est terrible. En plus, c'est au niveau de la Parnassa. C'est vous qu'il y a beaucoup de gens pauvres, beaucoup de gens pauvres dans notre peuple. Chacun se focalise sur ses difficultés, mais est-ce que tu imagines les difficultés des autres? Les gens ont plein de difficultés. Alors, tu as eu on a la mort. On a la Parnassa qui est très difficile. Qu'est-ce qui nous reste? Le principal est parti déjà. En plus de ça, on est atteint moralement. Il y a de quoi. Tout ça, c'est la preuve que la conduite du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui n'est pas bonne. Et une des choses qui a participé à l'affaiblissement de notre niveau spirituel, ce sont les moyens de communication. Doucement, doucement, sans que l'on se rende compte, cela a abîmé notre neshama au niveau du peuple entier. On lit dans les journaux, on regarde sur son téléphone. Celui-là, il a fait ça de mal. Celui-là, il a fait ce péché. À la fin, ça devient plus grave à nos yeux. Rien, mais c'est pas grave. À la fin, ça devient presque acceptable, à force de lire tous les péchés, tous les gens qui ont fait des arnaques. Finalement, les péchés, ce n'est plus tellement grave à nos yeux, puisque tout le monde le fait. À force de lire toutes ces choses-là, ça rentre dans notre tête, ça rentre dans notre cœur. Même si on veut rester à l'extérieur, ça devient quelque chose de banal. Et c'est ça qui est très très grave. Tous ces moyens de communication, s'ils les utilisent pour acquérir des mérites, faire des bonnes choses avec, ça va. Et je vous le dis, de même qu'aujourd'hui, on fait des jours de jeûne, on fait des jours de Tanit, Dibour, on ne parle pas, il y aura des jours où on fera Tanit de ne pas téléphoner ou on fera Tanit de ne pas voir les nouvelles. Tout ce que l'on voit et que l'on entend en permanence, ça a beaucoup abîmé notre neshama.